de 18h à 19h. C'est la conversation la plus longue de cet après-midi qui vient clore cet après-midi sur ce dialogue entre l'art et l'œuvre et la nature. Cette conversation s'appelle Paroles exquises. Je l'ai intitulée comme ça parce qu'il me semblait que le cadavre exquis pour la parole, ça pouvait être sympa. Et je ne vois pas arriver Olivier. Bon, mais c'est pas grave, nous allons démarrer sans lui. Je sais qu'il était, je crois, au Frénois cet après-midi et qu'il devait se connecter de là-bas. Comme quoi, on peut être une école très, très branchée, numérique, technologie, et avoir et garder prisonnier ses intervenants, ses invités. J'espère qu'il nous rejoindra en tout cas. Je vais lui envoyer un SMS évidemment dès que quelqu'un d'entre vous aura démarré la danse. Il s'agit de voir avec chacun d'entre vous quel rapport votre œuvre a avec la nature et quelle voie vos travaux respectifs peuvent lui donner. Je vais est-ce que quelqu'un a envie de commencer ou est-ce qu'on se contente de l'ordre, disons, alphabétique? Attention, eh ben, je sens que ABK, tu vas y aller. Je peux laisser ma place à Hervé pour commencer? Non, non, avec, je t'écoute avec fascination. D'accord. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est difficile de commencer. Disons que mon rapport à la nature est un rapport contrarié en tant qu'artiste, parce que je me pose la question de comment créer dans un monde qui est en train de, enfin, dans notre monde en tout cas, est en train de disparaître petit à petit, puisqu'on parle d'une sixième extinction de masse. Donc, j'essaye de travailler autour de cette notion d'artivisme, c'est-à-dire de créer une sorte d'empreinte du monde dans lequel je vis. Là, vous voyez par exemple une œuvre que j'ai créée, donc une œuvre picturale. Je ne sais pas si vous... Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a différents types de pigments. Donc, vous avez des pigments acryliques ou de l'aérosol, mais vous avez aussi ce qu'on appelle un smart pigment, ça veut dire un pigment intelligent qui permet d'aimanter la peinture. Et donc, j'ai pu travailler sur des structures. Vous voyez, là, c'est du plastique qui permet de pouvoir polluer les océans directement. Et puis, il y a aussi de la matière végétale. Donc, tous ces matériaux racontent un peu notre monde. En principe, il y a aussi une installation olfactive qui retranscrit la pollution et un travail en réalité augmentée avec un message lié à l'anthropocène. Donc ça, c'est un type de travail que je peux proposer, mais il y en a d'autres. Je me suis intéressée à une technologie assez récente qui s'appelle CRISPR-Cas9, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est une technologie mêlant technologie et science, et qui permet de séquencer l'ADN et potentiellement donc de pouvoir le modifier. Et j'ai imaginé la façon dont le corps humain pourrait être hybridé et pourrait évoluer au contact de ce type de technologie si un jour elle est beaucoup plus développée parce qu'elle a été mise elle a été dévoilée lors de cette décennie. Donc, c'est une technologie qui est encore très récente. Donc là, vous voyez une main. Donc, c'est ma main que j'ai
peinte avec une base d'intelligence artificielle qui mélange à la fois de la peinture et de l'intelligence artificielle et des photos d'arbres et de végétation. Et sur la droite, pardon, si on peut revenir juste avant, et sur la droite, vous voyez une photo qui a été travaillée avec de la peinture et de l'intelligence artificielle aussi, et qui montrerait une hybridation, cette fois-ci pas végétale, mais animale. Donc là, ça serait avec une méduse et un caméléon. Voilà. Et ensuite, on voit des images qui sont extraites, enfin surtout celle de gauche, qui est extraite d'un court-métrage, d'une vidéo artistique sous forme de court-métrage que j'ai créé sur l'hybridation d'un être humain. Un être humain qui se végétalise et dont l'ADN comprend à la fois des cellules humaines et des cellules végétales. Et j'ai travaillé également sur une imagerie médicale pour créer un autoportrait donc de mon crâne végétalisé également. Voilà. Voilà. Alors, Clément, tu nous parlais de ton travail et de cette relation que tes œuvres peuvent entretenir avec la nature. Oui, c'est un vaste sujet. Non, non, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que je travaille aussi bien avec le médium de la sculpture que l'installation du dessin. Après, je suis, comme tout le monde, influencé par différents artistes, différents mouvements, une certaine partie de l'histoire de l'art. Il se trouve qu'il y a des récurrences, je pense, entre le travail dessiné, le travail sculptural. Après, se situer comme ça vis-à-vis de la nature, c'est un peu compliqué pour moi de le faire en si peu de temps, mais il y a un certain nombre d'artistes en fait qui m'ont toujours intéressé, qui m'ont toujours passionné, des mouvements, des courants. Il y a effectivement le Land Art, le Earth Art, comme on peut appeler ça aux États-Unis, que j'ai découvert lors d'un voyage que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Dans l'Utah, Nevada, Grand Canyon, Arizona, où j'ai vu effectivement les paysages. Et si vous voulez, c'est comme ça que j'ai compris en fait ce qu'avaient voulu faire les artistes américains. Disons comment ils s'étaient positionnés vis-à-vis de cette immensité des espaces. Hein. Donc peut-être je pourrais me situer plus, si on parlait de nature, à ce qui est propre à la forme physique du monde, à son relief en fait. Hein. C'est vrai que je n'ai pas tout de suite compris ce qu'avait fait, même si ça paraît pas forcément évident de faire ces références-là vis-à-vis de mon travail, notamment les visuels qu'on voit sur l'écran, mais je n'ai pas tout de suite compris, en fait, moi, le travail de Robert Morris, de James Turrell, de Nancy Holt, de Dennis Oppenheim. Mais c'est par la suite, à mon retour, que j'ai compris la force que pouvait avoir ce travail, notamment Oppenheim, avec ses dessins qui sont, si vous voulez, en fait, la nature en elle-même que moi j'avais vu, que j'avais traversé. L'espace-temps, les déserts, les routes qui sont gigantesques, si vous voulez, l'espace aux États-Unis, il est multiplié par 100, quoi. Il n'y a pas que dans ce pays qui est un continent que c'est le cas, mais effectivement, c'est par la suite que j'ai compris que, par exemple, on pourrait dire le paysage ou le ciel pouvait être un support, hein, par exemple, pour Oppenheim, quand il fait ses dessins sur un ciel bleu avec un avion qui lâche des fumigènes. Il y a aussi le Roden Crater incroyable là, de James Turrell, hein, qui est un dispositif en fait, de captation de la lumière avec des espaces architecturaux qui sont creusés, des galeries à l'intérieur même de sites naturels. Hein. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Par la suite, si je ne vais pas faire trop long, parce qu'il y a énormément d'artistes comme Robert Morris avec des observatoires, le travail de Nancy Holt aussi, par rapport au cosmos, hein, si vous voulez, c'est multistrate. Hein. Et c'est vrai que progressivement, je me suis rendu compte à travers d'autres voyages que j'ai fait ensuite en Islande, en Afrique, que forcément, d'un point de vue formel, notamment à travers le dessin, il y avait des récurrences qui réapparaissaient dans le dessin, qui sont en fait des récurrences minérales, parfois végétales, on pourrait même dire organiques en fait. Donc il y a ces ponts qui se font, qui se créent comme ça,
Vous aviez cette intervention précédemment sur le microcosme et le macrocosme. Voilà, moi je suis très intéressé par ça, c'est-à-dire l'espace, les vues satellitaires, la cartographie, l'infiniment grand, l'infiniment petit, si vous voulez. Donc il y a ces récurrences dans le dessin, d'un point de vue aussi formel. J'ai parlé de quelque chose qui était un choc émotionnel extrêmement puissant avec ce voyage aux États-Unis. Il y a d'autres artistes, bien sûr. Et puis par la suite, je me suis intéressé aussi, notamment, puisque j'ai commencé en travaillant avec le dessin. Progressivement, je suis allé vers la sculpture et notamment des microcosmes, des micro-architectures qui sont de petites sculptures à des petites échelles et qui sont une sorte de retranscription pour moi des dessins en trois dimensions. Et puis par la suite, il y a des sculptures, comme on a vu, avec des strates de bois et des morceaux de branches qui sont un peu plus importantes de par leur format et leur taille, comme celle-là qui est constituée de strates de bois industrielles et une sorte d'hybride avec des éléments en bois verticaux qui sont des morceaux de branches d'arbres poncés. Et cette sculpture, elle contient à l'intérieur même une micro-architecture avec des effets de profondeur, de miroir. Donc, il y a une sculpture à l'intérieur de la sculpture. Et c'est vrai que c'est cette pièce-là et d'autres pièces, je les ai faits parce que vous savez comment sont les résidences d'artistes. Parfois, on se retrouve dans des situations, dans des lieux inédits, dans un contexte inédit. Et là, c'était une résidence qui était dans les environs de Grenoble, hein, où j'ai pu réutiliser du bois. Mais j'avais en tête le travail d'autres artistes, notamment Tony Grand, Marcus Retz aussi. Et c'est vrai que le travail de Tony Grand, j'ai toujours trouvé extrêmement, en même temps minimaliste, mais très puissant, puisqu'en fait, il est d'une intense radicalité, on pourrait dire ça. Ça m'avait marqué et il y avait, je trouvais dans son travail aussi cette capacité, si vous voulez, à utiliser des morceaux de bois, des éléments qui sont issus de la nature brute, hein, et à leur redonner une vie, à les associer, à les écarteler et à nous faire redécouvrir, si vous voulez, la nature d'une autre manière. Il se l'approprie et en même temps, il explique très bien dans son travail qu'il est tributaire, hein, de la forme des branches, de leur nervosité, de la manière dont le bois est sec, de la manière dont il craque. Donc, voilà, tout ça, c'est globalement des influences qui nourrissent mon travail. Hein. Il y a aussi le poète Marcus Retz, hein, avec ses dessins qui sont constitués, vous savez, de feuilles d'arbres. Marcus Retz, c'est très intéressant aussi parce que lui, il le disait lui-même, hein, il travaille avec ce qui l'entoure, ce qu'il ramasse dans la nature. Donc, ça peut être des branches, ça peut être des écorces d'arbres, etc. Quoi. Voilà. Une petite introduction. Une petite introduction. Ouais. Francesca, est-ce que à toi la parole avant qu'on passe à un échange, j'espère, sur les questions qui nous préoccupent. Mais c'est bien quand même que chacun, que vous ayez tous une petite vision du travail des autres. Voilà. Juste un mot, vous voyez bien que je suis là finalement, excusez-moi, j'arrivais pas à vous joindre. Bravo. Non, je ne D'accord. vois pas. Ici, ça passe pas toujours bien, malgré les nouvelles technologies qui est la spécialité. Je suis totalement aveugle. Pardonne-moi, Francesca, je vais dire. Non, pas du tout, c'est juste pour vous dire que j'avais réussi, après quelques embrouilles, à vous retrouver. Je plaisantais tout à l'heure en disant que finalement, au Frénois, ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour être connecté. Non, je crois, il ne faut pas. Faut le faire plutôt de la campagne, dans les champs. Eh bien, puisque vous êtes là, nous sommes heureux de vous accueillir, Olivier. Vous deviez introduire cette conversation. Et bien, je vous laisse un petit peu la parole et puis après, on reprendra le travail de Francesca juste derrière. Alors, moi, il y avait quelques idées qui sont liées pour moi à une question que j'éprouve, mais je crois que d'autres personnes ressentent, mais je veux dire, c'est une question de peut-être basique, je ne sais pas, mais la question que je me posais par rapport entre la question de l'art et de la nature, c'est que évidemment la première réponse est une réponse qui est
qu'il y a deux formes de vie et que sans doute la forme de vie de la nature est absolument captivante et quelque chose d'une puissance incroyable, donc, et quelle est l'essence même du mouvement du vivant à travers sa flore, sa faune, etc. Puis les années passant et passant une grande partie de mon temps en contact et en compagnonnage au fond, c'est mes principaux compagnons sont les œuvres d'art, quoi. Je me suis posé la question qu'on n'arrive pas à entendre, Olivier. On vous entend plus du tout. Peut-être faut-il poser la question dans la. L'atelier là-dessus. Oui, on n'a pas du tout entendu la question, Olivier, en fait. La question était, peut-être je me rapproche, la question était est-ce qu'au fond, au bout d'un certain temps, entre la première sensation, sentiment et la deuxième sensation, sentiment liée dans ce rapport entre art et nature, est-ce qu'au fond, l'art, contrairement à ce que je pensais quand j'étais plus jeune, n'est-il pas plus vivant, n'a-t-il pas un principe plus vital, contrairement aux apparences, et plus vivant que la nature, qui est évidemment l'essence même du vivant à travers sa faune, sa flore, etc. Donc, j'avais fait une exposition que j'avais appelée « Vivante nature », où cette question était posée à travers des œuvres d'art, me semble-t-il, par les œuvres d'art qui étaient exposées. Et travaillant sur ce sujet, j'essayais de comprendre naturellement ce que d'autres pouvaient penser cette question. Et j'avais trouvé qu'au fond, enfin, Novalis disait des choses tout à fait justes et qui situaient bien le problème, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que, au fond, que la nature, qu'est-ce qu'on appelle nous la nature, et la réponse de Novalis correspondait à ce sentiment confus et diffus que j'avais, que au fond l'art en ce qui me concerne, était plus vivant que le mouvement de la nature lui-même. Et Novalis dit ceci, qu'est-ce que la nature ? Un index encyclopédique, bon, on connaît les herbiers, et systématique. Alors, est-ce que c'est ça, un index, ou est-ce que c'est un plan de notre esprit ? Donc, à partir de cette phrase, je me suis dit, bon, certainement, pour moi, ce n'est pas un index encyclopédique et systématique, mais dans ce sentiment qui m'importait de savoir où aller puiser pour vivre dans la plus grande vitalité, où se trouvait la source de la plus grande vitalité, le fait tout d'un coup de voir que la nature n'était pas cette force qui va, qui fait naître, qui fait germer, qui permet les moissons, qui permet chaque année aux feuilles de reverdir, etc. Si on peut considérer que la nature est un plan de l'esprit, c'est peut-être là que se trouve l'art. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur ce que permettait cette idée, au fond, que la nature a cette capacité de nous montrer ce qu'est la vie, mais l'art, en tant que plan d'esprit, nous faire vivre, était encore peut-être plus fort par son intensité. Et je pense que cette question est posée depuis évidemment des années et des années. Par exemple, vous savez que l'un des grands textes de Novalis se termine tout d'un coup, Pierre-Jean Jouve a repris ça dans Le Monde des airs, par un mot qui semble donner une Et voilà, nous avons perdu. Comment dirais-je, une force incroyable à la nature à travers une toute petite écrit Novalis. Et là, vous nous avez perdu. Vous m'avez perdu, alors je ne sais pas comment. Vous avez un petit peu perdu, Olivier, mais peut-être qu'on on peut demander à Francesca de rebondir sur ce que vous venez de dire à travers son travail et de nous en parler. Voilà, je voudrais juste poser cette question-là. C'est la question de savoir comment, parce que, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend.
parce que, juste terminer cette phrase, la petite fleur bleue qui est devenue cette synonyme de vie, figurez-vous que c'est une fleur qui est appelée par ailleurs le désespoir du peintre. C'est-à-dire que les peintres ont nommé cette petite fleur comme ça parce qu'ils n'arrivaient pas à saisir toute dans la question de la mimésis, ils n'arrivaient pas à saisir ça. Puis, aussi drôle que ça puisse paraître, Winston Churchill était un drôle de peintre, mais il était relativement intelligent parce qu'il a écrit un texte sur la peinture où il dit une chose qui est... Il s'évertue à peindre, lui, une fleur rouge. Ce n'est pas le désespoir du peintre qui est bleu clair. Et au bout d'un certain temps, il se morigène lui-même. Il dit « Mais quel crétin je suis !» Parce qu'au fond, le problème du peintre, ça n'est pas d'arriver à capter la vie, hein, qui donne le désespoir au peintre, c'est de la créer lui-même. Et il dit, mais je suis complètement idiot parce que la seule chose qui compte, c'est d'arriver à rendre vivant 1 cm² de toile. Et évidemment, à travers cette réflexion de Churchill, ou à travers des situations drôlatiques, moi, que j'ai pu vivre en voyant l'exposition Cézanne à Paris, il y avait un tableau de Cézanne, et il y avait une dame et sa mère à côté de moi, et elle s'approche comme ça, elle regarde, et sa mère, la mère la plus âgée, la personne la plus âgée, regardant ce tableau de Cézanne, commence à faire le bruit des cigales. Comme ça. Et 2 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive, et c'était un homme et une personne qui avaient l'air assez, comment dirais-je, enfin, de connaître la peinture, et lui, il n'explique que la picturalité, que les formes, la composition, etc. Et je disais, tiens, voilà deux modes d'existence d'un tableau complètement différent. Donc, c'est ce genre de choses qui, pour moi, pose la question, mais au fond, où doit-on aller chercher le vivant et quelles sont les situations du vivant, à la fois dans l'art et dans la nature. Allez, Francesca, à toi la parole. Ça ne va pas être en contradiction, je crois, parce que je n'oppose pas la nature à l'être humain. Je crois que la nature, c'est le réel et nous sommes aussi la nature. Et c'est vraiment le réel, c'est-à-dire ce à quoi on se confronte. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, enfin, j'ai eu des situations qui étaient des situations très, comment dire, des situations où ça s'est noué en moi. Je suis née au bord de la mer, et la mer a toujours été un élément très, très important, et je pourrais dire l'eau en elle-même. L'eau, la fluidité de l'eau, l'eau comme élément, enfin l'eau comme quelque chose d'indispensable, qui goûte dans l'atelier, qui est dans nos bouteilles, qu'on peut admirer sous les formes de torrents, enfin bon, l'eau. Et puis il y a aussi ce deuxième aspect qui m'est arrivé quand je suis allée plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie, où là le choc de la nature a été violent parce que c'était la nature vécue. Vécu, j'allais dire, de plein fouet. Les Kanaks vivent avec la nature, ils vivent aussi avec les ordinateurs, mais ils ont la fonction coutumière, et ça m'a fascinée. Et j'ai pu, à ce moment-là, enfin donner un sens à tous les résidus que j'accumule, qui sont en fait ce qu'on peut appeler des résidus de la nature, c'est-à-dire des branches, des os, des bois, des... Enfin, tout ce qu'on veut, mais qui sont en fait des résidus formels, des résidus de texture, à partir desquels je vais les utiliser comme matière première. Alors, comme matière première formelle. Et je rejoins en ça quelque chose qui a une sorte de fonction générative de la nature, c'est-à-dire de ce qu'on appelle communément la nature, c'est-à-dire des sources multiples. Alors, de la structure que peut être l'eau, si on dit que la nature peut être une source générative, la nature donc comprise au sens, on va dire, ordinaire ou normal du mot, eh bien,
comme source générative pour moi, l'eau, ça va être le mouvement que je peux en prendre. Ça peut être une position critique telle que je l'avais faite quand j'ai été artiste invité du congrès de l'eau. C'était faire un rond-point lumineux qui était donc lumineux uniquement le soir. C'était un arbre. Et dans la journée, il était un arbre mort. Et c'était évidemment pour pouvoir me situer en réponse par rapport aux chercheurs qui, à ce moment-là, c'était il y a une dizaine d'années, qui à ce moment-là alertaient évidemment sur le manque d'eau partout dans le monde. Ça peut avoir donc l'eau sur ses, d'un point de vue critique, mais aussi sous ses formes d'ondulation, enfin, comme là aussi phréatique, la toile qu'on a devant les yeux, ou les remous. Je ne sais pas si tu as pu la passer, elle est peut-être trop légère en pixels, hein, Marie-Laure, je ne sais pas. La toile très verticale qui s'appelle Remous, bon, peu importe, qui est au musée de Collioure, mais voilà. Non, c'est pas celle-là, ça c'est pas grave, ça c'était vraiment quelque chose qui a été fait à partir de la mémoire kanak, et il y a au sol des petites choses, enfin des morceaux de terre, et puis des suspensions avec des os qu'on voit au milieu. Mais là précisément, ce qui m'intéresse dans ce genre d'intervention, c'est que dans l'installation, je trouve que l'installation est la version du paysage, quelle que soit l'installation. C'est une sorte de ligne d'horizon que l'artiste élabore avec ses ingrédients plastiques, et il vient faire entrechoquer son regard sur une nouvelle composition. Et ça, c'est quelque chose, enfin, qui m'est venu il y a maintenant pas mal d'années pour un lien avec le musée de Céret que m'avait demandé la conservatrice, où je me suis aperçue que je pouvais appeler les installations des paysages. Et donc, ces concaténations comme ça, ces compositions, je les retrouve aussi sous la forme d'archéologie. Lorsque je travaille avec des os de petite taille, avec des bréchettes poulet par exemple, où là, je reconstitue des archéologies imaginaires, avec du plâtre. Ce sont des choses qui sont comme des miniatures, comme si j'avais attrapé la nature par un petit bout, et que ce petit bout, je pouvais en faire quelque chose de... un côté précieux qu'on peut regarder en vitrine, comme lorsqu'on va dans un musée regarder une pièce oubliée ou une pièce dont on ne connaît pas la source, et où le détail va nous renvoyer au tout, quoi, cette immense question du fragment, enfin de la partie du tout. Et ça, le fragment, c'est aussi quelque chose que j'inclus, enfin moi je ne sais pas si c'est un rapport avec la nature, mais en tout cas c'est une logique qui me vient de cet abord avec la nature, c'est que le fragment est aussi le fragment d'espace dans l'atelier, le fragment d'espace lorsque je divise mes toiles. J'ai fait une toile aussi que j'ai offerte à des amis, qui était en 5 morceaux, c'était 5 amis différents, et le paysage était une ligne comme ça qui traversait. J'en ai un petit bout ici, je ne sais pas si je peux. J'y pense, c'est fou, hein, parce que j'y pense à l'instant, et ce truc-là, comme il est isolé, je l'ai constamment avec moi. C'est une chose comme ça, mais il y avait 5 bout à bout, en quelque sorte. Et ces bout à bout, c'était des fragments d'espace où le paysage ne pouvait se reconstituer que si les 5 amis étaient présents ensemble. Arrête, il suffit de me le dire, je suis le contraire des automatismes. Je suis déjà frustrée d'avance de la fin de notre conversation, donc j'aimerais qu'on puisse passer la parole à Grégory et Anaïs pour qu'ils nous expliquent eux leur travail. Je vais par ailleurs partager mon écran pour qu'ils puissent voilà. Normalement, c'est bon. D'accord. Alors, je vais tout de suite partager notre écran. Hop.
Voilà. Ça fonctionne? Oui, très bien. Très bien. Ouais. Super. Du coup, nous, donc, Grégory et moi, donc, pour présenter en quelques mots notre travail, donc, nous réalisons des installations interactives depuis plus de 15 ans et particulièrement, nous offrons des espaces interactifs sensibles qui proposent des relations sensorielles avec l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social. Donc aujourd'hui, on va plutôt présenter des installations qui sont en lien avec la nature. Et donc, nous travaillons donc, avec la technologie et nous explorons en fait les capacités que nous offrent les technologies afin de dessiner des relations sensibles qui permettent d'augmenter nos sens et nos perceptions. Donc, on parle beaucoup dans notre travail d'hybridation possible entre le monde vivant et la technologie, dont les points de rencontre nous incitent à inventer des nouvelles relations symboliques et de nouveaux langages entre notre corps et l'environnement et ses éléments naturels. Et nous créons entre autres des langages sonores qui traduisent des échanges entre notre corps et l'environnement. Donc la plupart du temps, nous cherchons à créer des organicités singulières donc, entre des matières qui au départ ne pouvaient pas se rencontrer, donc des éléments naturels et des éléments technologiques. Et donc c'est au sein de ces croisements que nous essayons de dessiner des relations très sensibles, vivantes et symboliques avec le corps et où on cherche à augmenter les sens. Et donc, dans ce processus d'hybridation entre nature et technologie, donc, la technologie disparaît tout le temps dans l'idée de sublimer une relation sensible et symbolique qui s'éprouve le plus souvent par le toucher. Donc, le toucher en jouant sur différents de proximité, d'intimité. Et ce qui nous intéresse dans la question du toucher, donc, c'est donc de produire des connexions singulières. Et dans ces échanges, donc il y a, nous proposons souvent donc des langages sonores spécifiques qui éveillent en nous le sentiment d'exister tant dans notre corps que dans notre rapport à l'environnement. En fait, il y a une phrase de Merleau-Ponty que nous aimons beaucoup qui dit « toucher, c'est se toucher ». Et donc, les choses sont le prolongement de mon corps et mon corps est le prolongement du monde qui m'entoure. Donc, dans cette idée de toucher, dans l'invitation de toucher en fait un élément naturel dans nos œuvres interactives, il y a cette idée d'éprouver nous-mêmes notre propre existence. Là, la photo que vous voyez, il s'agit d'une installation qui s'appelle Acousma Flore, qui est constituée de plantes, de véritables plantes, qui vont réagir en fait à notre contact électrostatique par un langage sonore et qui va évoluer en fonction de la proximité et de l'intensité que l'on va avoir avec la plante, avec la feuille de la plante. Et donc ici, le capteur vivant de l'installation, c'est la plante. Si elle meurt, elle ne chante plus. Et donc, c'est notre énergie électrostatique qui va en fait déclencher cette réaction sonore que l'on entend au moment du contact. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de proposer des comportements sonores à chacune de ces plantes. Comme dans la plupart de notre travail, nous parlons beaucoup de comportements sonores. Ce comportement sonore va évoluer donc en fonction de la proximité, de la qualité de toucher que nous allons offrir avec la plante. Et ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est comment ce comportement sonore que l'on entend va aussi changer, influencer la relation du spectateur qui est en train de la toucher. Donc, chez nous, ce qui nous intéresse dans l'interactivité, c'est cette question de relation, mais surtout d'interaction, d'interrelation, et de voir comment, l'interaction va vraiment influencer notre rapport à l'œuvre. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre sur... Tu le sens, Jean. Oui, je peux parler d'une autre... Ah, oui, je pensais que tu en avais mis plus. Merci beaucoup. On va peut-être effectivement passer la parole à Hervé et essayer de discuter de cette question. Est-ce qu'on peut créer avec le souci de la nature et qu'est-ce que les œuvres peuvent nous dire d'elles? Hervé, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Non, parce que je me suis déconnecté une seconde. Ah, faut tu que je revienne. Enfin, prendre la parole, oui, je peux. Mais bon, je vais prendre la parole. Je pense que je ne suis pas à l'écran, là. Hein. Non, c'est vrai, tu n'es pas à l'écran. Bon, c'est parce que j'ai fait une fausse manip. Bon. Ce que je voudrais dire, c'est que
Lévi-Strauss, pour reprendre un peu ce que disait Olivier Kaplan tout à l'heure, Lévi-Strauss, qui pour moi est un structuraliste bouddhiste, c'est-à-dire que finalement négateur de la personne humaine, dans un entretien, je crois, avec Charpentier, avait déclaré que l'art, pour lui, c'était une production de la nature, que la nature, c'était ce qu'on faisait de mieux dans le domaine de l'art. Et je voudrais opposer cette idée intellectuelle et dont nous sommes tous, je crois, très éloignés, très divergents. Je voudrais l'opposer à un propos plus ancien qui était de Gauguin. À un moment où Gauguin organisait un salon avec il y a un peintre impressionniste, j'ai oublié son nom, qui est venu avec des beaux paysages impressionnistes. Et Gauguin lui a répondu, ici, monsieur, on ne copie pas. Ce qui veut dire que pour Gauguin, l'art n'est pas une représentation de la nature, même de la nature microscopique ou macroscopique ou des relations, je vais être un petit peu là, provocateur, ou des relations entre les arbres. L'art, c'est un artefact, c'est-à-dire que c'est l'intervention humaine, c'est l'animalité humaine qui se transcendent en commentant la nature, en intervenant avec une représentation de la nature, un jugement ou bien un embellissement de la nature, de la beauté, par exemple, dont on a parlé ce matin, cet après-midi, là, que je dis ce matin parce que pour moi c'est encore le matin au Québec, bon, qui était très au château de Chaumont. Bon, c'était très, très intéressant, cette exaltation de la beauté de la nature. Et c'est une belle réponse à Lévi-Strauss, qui a dit une fois de plus une bêtise. En fait, l'art est un artefact, c'est-à-dire c'est une intervention par rapport à la nature. Je ne peux pas dire extérieur à la nature, parce que nous sommes partie prenante de la nature, on en est de plus en plus conscient. Mais c'est une intervention, une réaction, un jugement, un choix d'un fragment, une position, c'est autre chose. L'espèce animale humaine est capable de se transcender par rapport à elle-même et par rapport à la nature, y compris dans son lien extrêmement étroit avec la nature. Parce que j'ai effectivement, quoique j'en dise sur Lévi-Strauss, j'ai une admiration total pour la beauté, l'intelligence, la magie, la créativité, la nature. Moi-même, je ne suis pas capable d'être un artiste actif quand je vis dans ma forêt, dans mon chalet, dans la forêt. Il faut que je revienne en ville pour pouvoir, pratiquer mon travail d'artiste. Donc, je sais quelle est la puissance de la nature et j'en suis absolument baba. Bon. Mais pour moi, fondamentalement, je termine là-dessus, l'art est un artefact, c'est-à-dire un artifice humain qui se distance de la nature. Alors, qui veut réagir? Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que... Je ne sais pas si c'est très intéressant de réagir comme ça, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Hervé. C'est toute la question, quoi. C'est que l'art a... Si vous voulez, parfois, ça me fait penser à... C'est pas tout à fait l'art que je vais évoquer, mais ça me fait penser à, en Chine, par exemple, on peut être surpris de voir la qualité très neuve des temples. Le bois, tout ça est neuf, tout ça a été fait. Donc, je me souviens d'une discussion avec quelqu'un qui était aussi là, qui demandait à la personne qui nous faisait visiter, mais c'est curieux, qu'est-ce que c'est l'antique alors pour vous, ce qui se transmet et qui est le cœur même de la vitalité, alors c'est pas tout à fait de la nature, là, de votre croyance, etc. Et il répondait, c'est le dessin du temple, ce n'est absolument pas son architecture, ce n'est pas ses tuiles. Vous voyez, quand il y a des débats sur le patrimoine ici en France, ça serait du chinois, si j'ose dire, parce qu'en fait, c'est le dessin qui se passe de... Alors, qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est pour ça que j'étais très intéressé par cette phrase.
phrase de Novalis, c'est un plan de l'esprit, la nature. Il dit aussi des choses formidables. Il dit, mais où trouver le germe originel de la nature, le prototype de la nature tout entière? Où trouver la nature de la nature? Eh bien, moi j'aurais envie de répondre, mais dans l'art, bien sûr, et par rapport à ce que vient de dire Hervé, c'est que la nature, c'est véritablement un artefact, c'est-à-dire c'est une interprétation, c'est plus qu'une interprétation, c'est qu'elle se construit, nous fait ressentir, et comme nous faisons partie, comme Hervé l'a dit aussi, de la nature, eh bien, nous produisons cette nature-là. C'est-à-dire qu'en effet, Gauguin avait parfaitement raison. Moi, je suis bien d'accord avec ça, vraiment, c'est une construction, et ce dans quoi nous baignons, et en fait, ce à quoi on ne peut pas échapper. On ne peut pas empêcher que la montagne pousse, on ne peut pas empêcher de se générer, on va dire, même si maintenant on peut être décimé par une pandémie. Mais je crois qu'il y a il y a quelque chose de processuel, et on prend ce train en marche et on le prend d'un point de vue émotionnel, formel, je ne sais pas, chacun mettra le qualificatif qui lui convient, mais je crois qu'on repère aussi des structures qui nous intéressent davantage par rapport à notre propre sédimentation culturel, sentimental, et la production, c'est-à-dire ce qu'on appelle production, ce qu'on fait, quoi, ce que nous faisons comme artistes, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est pris dans le programme. Mais je devais participer. Alors, elle m'avait dit une forme tu peux lui dire maintenant. Oui, je fais mieux. De transformation, de modification. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. On n'est pas forcément en train d'interpréter le monde. On convertit ce dans quoi nous sommes déjà. On redonne quelque chose autour de nous, pour ce qui est autour de nous. Et cette chose qu'on a produite autour de nous, ça redevient encore une source pour nous-mêmes, etc. Il y a une forme de boucle comme ça. Alors, je voulais aussi dire une chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est que pour des raisons que je n'ai pas exposées ici, je n'ai pas eu de réactivité suffisante pour pouvoir fournir des images de mon propre travail. Et celles que tu as montrées si gentiment, Marie-Laure, sont un peu anciennes, mais voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Enfin, l'idée du processus, pour moi, c'est très, très important dans cette fluidité du monde. Grégory, Anaïs, vous travaillez carrément avec le vivant dans l'installation que vous avez montrée. Est-ce que quel est l'apport du vivant, justement? Parce que vous ne faites pas que ça, vous ne travaillez pas toujours qu'avec le vivant. Mais quand vous avez travaillé avec le vivant, c'était quoi l'idée, en fait? L'idée est justement de créer une œuvre vivante aussi, qui a ses propres, un Kousma-Flore dans son cas, aussi sa forme d'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement où elle est exposée, elle ne va pas réagir de la même manière. C'est-à-dire que les plantes, elles viennent aussi manifester leur présence de manière singulière en fonction de l'endroit où on les présente et en fonction des personnes qui les touchent également. Donc ce que nous apprécions aussi dans cette hybridation entre nature et technologie, c'est à voir à quel moment la technologie nous échappe et comment l'œuvre peut aussi s'en emparer. Mais après, ce qui est vivant aussi, c'est que ce sont... Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, vas-y. Je voulais parler du spectateur en lui-même qui fait du coup partie de l'œuvre en lui-même. Et ce que l'on retrouve dans la plupart de nos installations. Il y en a une autre qui pour nous est très très importante, justement dans ce lien très singulier et unique que l'on veut proposer au spectateur, c'est Pulsation, en fait, une installation au cœur d'un arbre que je me permets juste de présenter sous la forme d'une image qui est celle-ci. Et c'est une installation très 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 simple qui est la plus invisible que l'on ait réalisée, où on propose simplement au spectateur de venir rentrer en contact avec le tronc d'un arbre. Si on est à côté, on ne l'entend pas, il faut vraiment être corporellement en contact avec lui, et on entend et on ressent un cœur humain, un battement de cœur humain.
Et pour nous, l'idée, c'est vraiment de créer des miroirs symboliques aussi entre l'élément ici de l'arbre, entre l'arbre et le corps humain. Et de... comment dire ? Vas-y, je te laisse. En fait, dans le fait d'intégrer aussi des visiteurs dans les œuvres évoluent et changent en fonction du rapport que les spectateurs, que les visiteurs peuvent avoir avec l'œuvre. Il y a aussi deux manières, un double regard dans nos créations. Il y a le fait d'être en relation avec les installations, ressentir corporellement une relation sensorielle parce qu'on est en contact avec cette œuvre et qu'il y a un miroir immédiat qui se fait avec notre corps. Il y a le fait d'être en retrait, de regarder les autres personnes en contact avec l'œuvre, et c'est ce qui fait l'œuvre aussi, et c'est ce qui fait aussi la force émotionnelle de ce que va donner à voir l'œuvre, car ce sont des installations qui donnent à voir une émotion vraiment immédiate et positive en fait chez les spectateurs. Donc là, on est d'accord qu'on n'est plus du tout dans l'artefact, on est dans totalement autre chose. Est-ce que Clément, tu veux rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier, Hervé, Francesca? Bah, je trouve que c'est très juste ce que disait Olivier et aussi, je crois, Monsieur Fischer sur l'artefact là, mais en entendant parler Olivier Képlin là à propos de nos valises que j'ai malheureusement pas lues, et de la thématique de remettre de l'énergie, de la nature dans la création, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça, je pensais au douanier Rousseau, en fait, hein, parce que les peintures du douanier Rousseau, quelque part, qui notamment les jungles, qui représentent une nature qui est complètement fantasmée, qui est complètement inventée, c'est en même temps extrêmement structuré, c'est très construit, c'est d'une profusion et d'une densité qui fait presque référence à celle du cerveau, en fait, enfin la manière dont il est construit, ses ramifications. Mais je pensais aussi au fait que dans ces jungles, il y a une lumière, en fait, qui est complètement artificielle, hein, qu'il a lui-même recréée. C'est l'anecdote dont parlait Olivier avec la représentation de la fleur, en fait. Il n'y a pas d'ombre portée dans ces jungles, dans cette espèce de représentation de la nature qui est en fait une sorte de montage photographique avant l'heure, de découpage. On pourrait presque dire que c'est des découpages, en fait, d'un point de vue structurel. Et je pensais aussi à... Il n'y a pas de ombre portée, d'ailleurs, non, c'est assez étrange. Et je pensais aussi à ce qu'il a fait dans ses toiles où il représente des environnements urbains qui sont à la frontière entre la ville et la nature lors de ses balades, où il reconstruit en fait des paysages avec des perspectives qui semblent tronquées parce qu'effectivement c'est un autodidacte, mais aussi parce que c'est lui-même qui dans l'atelier reconstruit l'espace à sa manière avec ses jeux d'échelle. Et en fait c'est très sophistiqué et c'est ce que disait Olivier sur l'énergie, sur la nature. Pour moi c'est ça le douanier Rousseau, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement frappé. Et la référence à Gauguin aussi, je trouve qu'elle est juste à ce niveau-là, en fait. Julien Gracq, dans un de ses romans, je ne me rappelle plus le titre, évoquait l'idée d'une ville qui soudain s'arrête et puis on entre dans la nature. On passe de l'urbain, fortement urbanisé, à la nature. Et Cette idée-là, je la trouve très, très forte, pas d'un point de vue surréaliste du tout, mais pour marquer à quel point dans notre civilisation actuelle, de plus en plus urbaine, la nature est devenue un objet extérieur à notre mode de vie urbain, à notre sensibilité quotidienne, et aussi est devenue comme une sorte de nature absente, c'est-à-dire au fond une nostalgie qu'on retrouve chez Douanier Rousseau, bien sûr qu'on retrouve chez beaucoup, la nostalgie de la nature que nous aurions quittée orgueilleusement et que nous remplaçons par des papiers peints avec de la verdure, des plantes vertes dans nos bâtiments en béton. Et nous sommes dans une nostalgie de la nature. Au point de vue de la mythanalyse, c'est évident que nous fabulons
comme les romantiques à l'époque du développement de la société industrielle. Nous fabulons sur la nature absente qui nous manque, parce que nous sommes des animaux qui avons vécu dans les clairières des forêts pendant des millénaires. Bon. Alors, c'est très important au point de vue de l'imaginaire collectif. Et là, nous recréons une nature, nous la réanimons, nous la mettons en réseau Internet, nous lui donnons toutes sortes de vie artificielle pour la retrouver, la régénérer, nous régénérer nous-mêmes avec cette énergie-là, et nous créons des émotions avec la nature. Nous cherchons en nous collant contre des arbres, c'est une thérapie aussi, hein, très, très répandue, de proposer à des gens qui sont un peu urbains, névrosés, la thérapie de la forêt. On se colle contre des arbres et on écoute son cœur. Mais en fait, c'est la pulsation du sang dans l'oreille qu'on entend, Anaïs, quand on se colle l'oreille contre un arbre. Ce n'est pas le cœur de l'arbre. Je le dis avec la plus grande admiration pour votre travail, hein. Mais il faut dire les choses pour de vrai aussi, quelquefois. Non, excuse-moi. C'est une installation sonore, hein. Il y a un dispositif interactif. Bon. Voilà, c'est une installation sonore. On est bien d'accord. Et à ce moment-là, ça devient tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, on recherche retrouver le lien avec la nature. Et donc, on la renforce avec une installation sonore, comme dirait Abeka, une sonorité augmentée. Bon, et au fond, la nature, c'est la nature mère, c'est-à-dire que aussi bien dans l'espace océanique dont on parlait tout à l'heure. De l'Internet, où on a le lien avec le clic qui est au fond le cordon ombilical, le lien, le like qui est le cordon ombilical. La nature, au fond, c'est la mère dans notre fabulation fondamentale. Sans faire du Jung, que je n'aime pas trop, il est clair que la nature est très, très féminine, elle est très maternelle, et que nous cherchons dans l'anonymat urbain, dans la solitude souffrante, nous cherchons retrouver un lien ombilical avec la mère. C'est le stade utérin du fœtus qui demeure très très présent dans notre fabulation d'adulte. Et ça, je crois que c'est une dimension d'imaginaire très très fort dans notre rapport à la nature actuellement. C'est vrai, si je peux me permettre, Hervé, complètement. Et pourtant, nous n'avons pas toujours été comme ça, puisque pendant des siècles, au moment où, du point de vue de la mimésis, on représentait la nature sous toutes ses formes, qui ne s'appelait pas encore le paysage, c'est-à-dire 16e, 17e, c'est là où on la fuyait le plus. Et cette nostalgie dont tu parles, c'est formidable, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fantasmatique. C'est passé d'une crainte à un désir. D'une peur à un désir, puisqu'avant c'était le lieu de tous les forfaits. Bon, il y avait la Città, la Reggio, la Provincia, ou l'inverse, Provincia-Reggio. Mais dès qu'on sortait de la ville, on était en danger. Et c'était. Il y avait les bandits et les loups. Et le loup du petit chapon rouge. Et maintenant, on court après la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire ce vers qu'évoquait un artiste tout à l'heure qui n'existe pas, ou le galeriste, je ne sais plus, qui n'existe pas, enfin qui ne se voit pas, qui fait partie inhérente de la nature, la couleur verte. Enfin, on court après. C'est vraiment... Qui reprend la balle au bon? Abeka, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, en fait, je pensais à plein de choses, parce qu'on est parti dans plusieurs directions, et je repensais à une phrase de Léonard de Vinci, ou du moins un concept, où il disait qu'il fallait aller prendre des leçons dans la nature, puisque c'était là que, enfin, c'est dans la nature qu'est notre futur. Alors, je reviens du coup à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on observe aujourd'hui la nature en tant qu'humain, en tant qu'artiste, on n'y voit plus forcément notre futur. Et donc, il y a des forces et des tensions qui se mettent en place entre le désir de voir ce futur. Comment retranscrire finalement peut-être son impossibilité,
et à la fois se dire que la nature continuera à vivre même si un jour notre espèce disparaît. Et malgré ce fait-là, on est tous animés du concept de conatus, c'est-à-dire d'une force de vie qui nous pousse à créer. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à tout ce qu'on disait, mais c'est ce que ça m'évoquait en tout cas. Mais en même temps, à l'époque du transposthumanisme et de la technoscience numérique, c'est clair qu'il y a un mouvement de régression, aussi bien dans l'Internet, chercher des amis, se lier, se connecter, que dans notre retour vers la nature assoiffé. C'est manifestement une régression par rapport à notre aventure artificielle dans laquelle nous sommes embarqués. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est la question du manifeste autour de l'art et de la nature. C'est-à-dire comment on se positionne en tant qu'artiste par rapport à l'évocation de la nature, savoir avec quel médium on peut créer, quel est notre impact carbone, ces questions-là, on n'a pas pu forcément les soulever, mais la question est tellement... Mais Pierre Estany, qu'il faut absolument nommer. Pierre Estany, dans son manifeste du naturalisme intégral, suite à ses voyages en Amazonie, a pensé, lui qui avait inventé le nouveau réalisme, en tout cas manifesté le nouveau réalisme, il a rompu avec cette première célébrité pour essayer de nous imposer un naturalisme intégral dont on n'a pas vraiment pris conscience parce que ça venait de lui, qui venait d'une autre idée principale, et puis c'était vers la fin de sa vie. Mais le naturalisme intégral, tel que Pierre Estany l'a découvert et en a écrit le manifeste après son voyage en Amazonie, malgré tous les insectes dont il se plaignait à juste titre sur ses navigations sur l'Amazone, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, nous sommes en train de lui donner raison. Olivier, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Mais j'allais dire, il reste le micro, Olivier. Micro. Attendez. Tu as le micro. Non, oui, mais justement, j'essaie, mais. Vous m'entendez pas là? Oui. Ah, ça y est. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, mais ce que Clément a dit aussi, et enfin un peu tout le monde, c'est cette espèce d'incroyable force de la nature qui est l'art, c'est aussi la question de la représentation, ou bien, voyez, parce que dans les nouvelles technologies aussi, on trouve ça, regardez l'œuvre de David Clairbout, où il nous fait entrer dans une forêt, c'est fait de telle manière... qu'au début, on a l'impression que c'est un film réel. Et puis, je crois que c'est Clément qui parlait des fausses ombres. Puis on entre dans cette forêt, on se croirait dans une... Et tout d'un coup, on se rend compte que les ombres sont fausses. Évidemment, il l'a placé. Hein, et on se dit, mais ce n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la vraie forêt. Et finalement, il nous fait sortir de cette forêt. Toutes les images sont... uniquement numérique, et on est au milieu d'un champ de betteraves avec les autoroutes qui passent tout autour. C'est un peu ce que tu as dit sur l'urbain et l'intérieur. On sort de cette fausse nature qu'on a cru vraie et on est au milieu de autre chose. Voilà. Donc je pense que le sujet inspirait peut-être des poètes du 19e, mais il est encore au cœur de questions que posent des gens qui se servent des nouvelles technologies et de la vidéo, enfin comme un BK ou d'autres. Voilà, c'est tout. Moi, hélas, il faut que j'aille prendre mon train. Je m'excuse de tous ces désordres, mais... Et la petite musique retentit, et je vous remercie. D'accord. C'était très court, c'était merci trop court, à tous. Mais on reprendra toutes ces conversations. Merci Anaïs, Grégory, merci. Olivier, Catherine, Joie, Hervé, Francesca, Béka. Les mains. Merci Marie-Laure, merci à tout le monde. Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouvel Omniprésence.